Chers amis de TV Liberté, je file au cinéma avec vous et je voulais vous présenter le film du moment qui s'appelle Petit Paysan, qui vient de sortir et qui rencontre déjà un grand succès, un succès de critique et un succès du public, ce qui est rare. C'est un film qui est un film extrêmement fort. Je donnerais trois qualificatifs, finesse, vérité et cruauté. Finesse parce que la vie de cet éleveur très jeune, célibataire, qui vit vraiment en symbiose avec ses 25 vaches, la première image, il est dans ses rêves, il est couché et il rêve que les vaches sont rentrées chez lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à la fin du film, il y aura un petit veau sur son canapé. C'est un film extrêmement bien construit. La vérité, parce que la vie de ce paysan, je vois pas d'ailleurs pourquoi on dit petit paysan, le petit m'agace, c'est un grand paysan. La vérité, parce que la vie de cet éleveur est remarquablement décrite au pinceau, avec ce travail harassant, mais ces moments de tendresse, puisque tous les matins il sort ses vaches pour qu'elles aillent au pré et il les ramène le soir pour la traite. C'est pas une traite à la main, hein, nous sommes modernes. Il a des treilleuses électriques, mais on sent, il caresse ses vaches avant de mettre la treilleuse en marche. On sent une amitié pour ces bêtes qui fait que cet éleveur produit le plus de lait sur toute la région. Cruauté, parce que c'est l'histoire d'un drame. L'une des vaches va être malade et les fonctionnaires rappliquent des services agronomiques, les fonctionnaires et de la santé rappliquent avec leur morgue et leur grosse voiture et décrètent qu'on va abattre tout le troupeau. Sans strictement aucune considération, sans aucune attention aux propriétaires et la plupart du temps sans aucune prime à l'abattage comme le gouvernement l'annonce. Donc cela provoque des drames et Stéphanie Bignon, dans un zoom récent dont le sujet était Jérôme Laronce, cet éleveur de 37 ans qui n'avait pas répondu à n'avait pas coché toutes les petites cases d'un papier administratif et qui avait fini par se heurter à ces gens qui rentrent chez vous comme s'ils étaient chez eux. Or, là aussi, il y a une différence entre chez eux et chez le fonctionnaire. Le paysan ne rentre pas chez le fonctionnaire, donc on ne voit pas pourquoi fonctionnaire rentrerait chez le paysan, avec en plus de ça un sentiment de toute puissance. Et donc, les tempéraments forts s'affrontent et il a fui son exploitation et il a fini par être tué par les gendarmes parce que il a voulu fuir encore plus loin, il a pris sa voiture et les gendarmes l'ont abattu. Regardez ce zoom, il est assez effrayant et bien évidemment on pense à cette histoire quand on regarde ce film qu'il faut aller voir avec des adolescents parce qu'il est extrêmement instructif. Mais préparez-vous, moi j'étais en larmes à la fin du film. Je crois qu'on peut voir aussi un film très amusant qui s'appelle « Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc ». Alors c'est une histoire amusante, c'est un peu la même idée que, vous le savez, les filles au Moyen-Âge que vous avez proposé. Le réalisateur a pris deux petites filles, l'une de 8 ans et l'autre de 13 ans, pour raconter l'histoire de Jeanne d'Arc et l'enfance de Jeanne d'Arc. Et tenez-vous bien, le texte c'est celui de Don Rémy de Peggy. Donc, cela donne une force à ce texte avec
cette récitation de ces petites filles, avec quelquefois les accents des personnages qui l'entourent, Madame Gervaise, une amie qui est devenue religieuse, et Oviette, l'amie de cœur de Jeanne, qui n'arrête pas de lui dire de ne pas s'occuper de tout ça, que la guerre et les Anglais, c'est l'affaire du bon Dieu, et la misère des paysans, c'est l'affaire du bon Dieu, ce n'est pas l'affaire des petites filles. Et alors, vous serez peut-être surpris parce qu'il y a des danses qui sont celles de Ducoufflet, qui avait réalisé, je crois, des spectacles, des grands spectacles, quelquefois choquants, mais si on se laisse porter, le texte, encore une fois, de Peggy prend une force inouïe et on en sort, on sort pas indemne de ce film. Maintenant, la séquence vidéo, j'ai vu beaucoup de films cet été. En vacances, je suis au bout d'une petite presqu'île et pas de cinéma tout près. Et donc, j'aime bien voir des spectacles en vidéo sur mon ordinateur. Et j'ai vu vraiment des films très, très beaux à voir et à voir aussi en famille. Le premier, c'est... Le Crabe Tambour, je suis désolée, je ne l'avais pas encore vu, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui sont comme moi, avec quand même des acteurs remarquables, Schoendoerffer, Jacques Perrin, Jean Rochefort, Claude Riche, Jacques Dufilho. Et c'est un voyage sur un escorteur dans les mers du Nord, et c'est une conversation entre un officier médecin et le commandant du navire, et leurs souvenirs communs de jeunesse, et quelle jeunesse, puisque ils ont participé à deux guerres, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Là aussi, vérité et poésie, homme libre, toujours, tu chériras la mer. C'est vraiment un très beau film. Second film, lui aussi un film de guerre, Stalingrad, le film de Jean-Jacques Haneau. Le duel entre deux tireurs d'élite, l'un qui est berger de l'Oural, le russe, et Vassili, et le major Koenig, qui est un officier allemand, qui est un grand chasseur, qui est désespéré par la mort de son fils au début de la guerre de 39-40. Troisième personnage, l'agent juif de propagande, Danilov, qui va créer une histoire pour requinquer le moral des troupes soviétiques qui sont complètement pilonnées par l'aviation et l'armée allemande dans ce siège épouvantable. Et donc on va créer ce personnage du berger de l'Oural qui tire magnifiquement et pour que les soviétiques puissent enfin gagner. C'est un et bien sûr une jeune femme au milieu d'eux. C'est extrêmement intelligemment bien fait. Ça se termine par une réflexion de Danilov disant « Nous ne changerons pas l'homme, il y aura toujours des hommes plus chanceux que d'autres, plus travailleurs que d'autres, plus forts que d'autres, qui rencontreront l'amour et d'autres qui ne le rencontreront pas. Donc nous ne changerons pas l'homme. » Rien que pour cette phrase, le film vaut son de le voir. J'ai vu aussi une série de films chrétiens en regardant les films de Sage Distribution. Je vous avais le premier des films chrétiens, c'est, vous le savez, La Rébellion cachée. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez acheter, c'est pour les soirées d'automne et d'hiver, le DVD sur le site La Rébellion cachée. Vous en serez absolument heureux, parce que c'est l'un des grands films sur le massacre des Vendéens, le massacre des Chouans, et illustré
par, et expliqué, si je puis dire, par quatre historiens de très grande valeur, deux Français, Stéphane Courtois et notre ami Reynald de Secher, et des historiens anglais et américains qui appellent un chat, la République une tueuse, et c'est donc quand même, c'est donc tout de même extrêmement intéressant. Il faut savoir que toute cette histoire du massacre des Chouans a disparu des livres d'histoire. Je vous signale aussi, alors on en avait beaucoup parlé, mais Little Boy, Christeros, vous vous en souvenez, le massacre des catholiques par les républicains mexicains. J'ai vu un autre film qui s'appelle Au prix du sang, sur la guerre civile espagnole, et surtout la vie de José María Escrivá, qui est le fondateur de l'Opus Dei et que Jean-Paul II a sanctifié. C'est un très beau film aussi, avec deux personnages, donc deux amis au départ, deux petits garçons qui vont grandir. L'un va devenir prêtre et l'autre va devenir un traître. Il va choisir un camp, mais il va devenir transfuge pour renseigner, devenir espion dans un autre camp. C'est très bien fait. C'est très très bien dit. Un seul petit problème, il est dit que les nationalistes sont soutenus par l'Allemagne, mais il n'est pas dit que les Rouges sont soutenus par les Soviétiques. L'oubli est un petit peu dommage. Mais on voit quand même très bien les prêtres fusillés en pleine rue par les Rouges. C'est un très beau film. D'autres films, je vous les cite comme cela, La résurrection du Christ, on en avait parlé, Christina Noble, une jeune Irlandaise qui va s'occuper d'enfants en Indochine, et puis les trois biographies de grands saints, Saint Philippe Néri, le Padre Pio et Don Bosco. Et ce sont des personnages semblables, ce sont des personnages qui vont prendre à bras le corps le problème des enfants des rues, des enfants abandonnés à qui ces saints vont donner un toit, de la nourriture et un travail. Et ce sont des films qui rendent heureux, ce sont des films magnifiques en Italie, pour Pio et Don Bosco, avec des images très très belles. Et bon, on voit suffisamment de personnages extrêmement mauvais et dans la réalité, pas uniquement dans les films, mauvais et crapuleux, que voir des vies de saints finalement vous rend plus heureux. Et puis, ça, je distribue aussi des films des évangélistes américains. Et il y en a deux, l'un qui s'appelle Woodlawn, qui est sur une équipe de football américain qui va rétablir la paix parce que cette équipe va intégrer un joueur noir qui se révélera un joueur extraordinaire. Et puis, Les miracles du ciel sur une petite fille guérie. Alors, c'est très évangéliste, hein, c'est pas du tout notre façon de penser ni de prier, mais c'est intéressant aussi parce que cela montre, cela évoque une certaine partie de la vie des Américains. Voilà tous mes trésors et à mercredi prochain. Amis de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique de Perles de Culture.
Et donc, je reçois aujourd'hui Gérard Le Tailleur. Bonjour. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Donc, vous êtes écrivain et vous avez sorti aux éditions Perrin l'histoire insolite des cafés de Paris. Voilà, il y a déjà quelques temps, mais effectivement. Mais comme on disait justement avant l'émission, c'est un livre intemporel. Alors, expliquez-nous d'où vous est venue l'envie d'écrire l'histoire des cafés de Paris. Eh bien, il y a quelques longs mois, j'ai eu le plaisir d'aller voir un ami qui tient une grande brasserie à la Porte des Lilas. Je lui offrais à ce moment-là mon dernier livre. Et en le regardant, commençant à le compulser, il me dit « Oh, tu sais, c'est extrêmement intéressant, mais tu devrais écrire un livre sur les cafés. » Alors j'ai regardé, quelques secondes, je lui ai dit oui pour lui faire plaisir, et puis que jamais j'aurais imaginé une seule seconde écrire un ouvrage sur les cafés, étant donné qu'il y a eu tellement de livres merveilleux et importants tout au long des siècles passés sur ce thème, que je ne voyais pas la nécessité d'en faire un de plus. Et je prends ma voiture, quelques secondes plus tard, au feu rouge, le premier, je m'arrête donc et je dis « mais oui, c'est une idée formidable, c'est l'occasion d'évoquer peut-être aussi le vieux Paris que l'on aime à travers des anecdotes ». Et j'ai commencé à écrire cet ouvrage qui m'a quand même pris à peu près 4 ans finalement. Oui, c'est un travail colossal. Je ne réalisais pas le travail dans lequel je me lançais. Vous avez facilement trouvé un éditeur pour un tel sujet, je suppose. Oui, c'est-à-dire que je dois remercier mon ami Rénal Sécher, que je voyais à ce moment-là, et quand il m'a dit « qu'est-ce que tu fais ?», je lui ai dit « je vais expliquer ». Il me dit « écoute, passe-moi le manuscrit ». Il l'a regardé, il m'a dit « il faut absolument que tu l'envoies chez Perrin ». Je dis « ah bon ?» Alors j'ai envoyé chez Perrin, mais bon, sans aucune arrière-pensée. Et quelques temps après, la maison Perrin, donc Monsieur Benoît Hiver m'a fait signe, j'y suis allé avec grand plaisir. Et là, donc, on a commencé. Et c'est là où mon épouse m'a rendu beaucoup de services, parce que la maison Perrin m'a demandé de sourcer cet ouvrage. Et sourcer, ben, ça m'a repris 6 mois supplémentaires, parce que il est vrai que quand je décris, par exemple, Barbet d'Aurevilly qui rentre au café de Fleurus, je ne l'invente pas, la manière dont il était habillé et autres, ça correspond aux mémoires du temps. Donc j'ai effectivement donné toutes ces sources à la fin. Très bien. Donc j'imagine que la partie que vous avez consacrée aux recherches, vous avez dû vous rendre sur place dans les cafés, ça a dû être assez agréable. Pas nécessairement. Je travaillais beaucoup sur les mémoires, justement, des documents que j'avais déjà, parce que j'ai écrit déjà des ouvrages sur l'histoire précédemment. Et j'ai pris, si vous voulez, comme fil conducteur l'histoire en général, parce que ça démarre, on ne sait même pas quand, l'histoire des cafés, peut-être même que contre quelques sesterces, on échangeait de la bière, vous savez. Oui, à cette époque-là, c'était sans doute plus de la bière que du café. Que du café ou du vin. On remonte à travers les siècles allègrement et relativement facilement. Ensuite, il y a eu les estaminets, il y a eu les tavernes, mais vous venez de parler du mot café, et un café, c'est réellement le départ, c'est Procope, on reviendra tout à l'heure. Mais l'histoire, en fait, des cafés débute réellement à partir de 1669, c'est-à-dire au moment où l'ambassadeur de la Porte Sublime... Oui, c'est une anecdote truculente que vous racontez dans l'ouvrage qu'il faut lire. Donc racontez-nous le petit kawa, d'où vient-il ? Eh bien, écoutez, donc cet ambassadeur, on dirait de Turquie aujourd'hui, arrive à la cour du roi, il arrive à Versailles. Les membres de la cour reçoivent cet équipage qui était constitué avant tout de petits ottomans qui portaient sur des plateaux dans des, comment dirais-je, en tasses en porcelaine, le fameux café. Alors tout le monde va boire ça, à commencer par le roi, qui trouve ça pas particulièrement agréable. Il trouve ça un peu trop aigre. Au niveau du goût, dans les sensations gustatives, ça ne l'intéressait pas, ça ne lui plaisait pas. Puis en plus, il a trouvé ça très cher. Il s'est renseigné à 40 francs la livre et a dit non, ça c'est trop. Même pour ses invités personnels, à Marly le Roi. Il faut bien considérer qu'à cette époque, au niveau de la cour, les gens découvrent le café, mais que parmi les membres de la cour, deux personnes étaient venues avec une arrière-pensée sûrement un peu mercantile, pour voir comment les gens allaient réagir. Et ce sont deux Arméniens, Audubon et Pascal, dont je parle dans mon ouvrage, qui se rendent compte qu'effectivement, ça peut être extrêmement intéressant.
Et ils vont donc louer ce qu'on appelait à l'époque une loge, c'est-à-dire un emplacement à la foire Saint-Germain, aujourd'hui le marché Saint-Germain près de la place Saint-Sulpice, donc le lieu elle-même, si ce n'est qu'il faut l'imaginer tout autour, il y avait des champs, il y avait le pré au clair où les gens allaient se... Oui, ça n'avait pas la physionomie que ça a maintenant. Absolument. Et donc, ça va un tel succès qu'ils vont être débordés, et ils vont faire appel à un petit marchand ambulant qui vient de Sicile et qui s'appelle Procopio del Coltelli, qui va donc franciser son nom peu après, qui va devenir François Procope. Et François Procope, grâce à eux, va créer son premier café rue de Tournon. C'est pour ça qu'on l'appellera d'ailleurs le café des Arméniens. Et ensuite, devant le succès, il cherche un autre emplacement. Et là, il va rue des Fossés Saint-Germain, aujourd'hui la rue de l'Ancienne Comédie, où se trouve d'ailleurs le Procope. Oui, maintenant le Procope. Et du coup, comment on a évolué de juste un café, le Procope, à Saint-Germain-des-Prés Écoutez, l'emblème du café artistique parisien. C'est-à-dire que ça a eu un succès fou dès le départ. Sans oublier qu'il faut un facteur chance quand vous montez une affaire comme Absolument. Ça. Le lieu était ostentatoire, il était magnifiquement décoré. Mais en face, il s'est avéré que les comédiens français, chassés par les jansénistes, cherchaient un endroit. Et en face, il y avait un jeu de paume qui était tenu par un sieur de l'Étoile. Et ce sieur de l'Étoile accepte de céder aux comédiens français donc son local. C'est Louis XIV, bien entendu, qui finançait cette opération et qui l'a financée. Et on va voir donc arriver en face de chez Procope tous les amateurs de théâtre, non seulement les spectateurs, mais en plus les auteurs et tous les philosophes du temps. Et ça donc à partir de 1670-75, enfin 86 même surtout, parce que ça a commencé tout doucement. Oui, donc en effet, du Procope au Café de Flore, il y a eu quelques... Ça s'est fait régulièrement. Vous savez déjà, à la mort de Louis XIV en 1715, il y avait 300 cafés dans Paris, dans l'esprit de Procope, parce qu'il faut... aussi avoir en tête que le café, c'était un endroit où on ne buvait pas d'alcool. C'est-à-dire, c'est un endroit où on allait boire du café, boire, comment dirais-je, du chocolat, enfin un chocolat, du thé, et puis manger des glaces. Parce que Procope avait le secret des glaces. Bon, il se procurait des glaces. Ce sera un autre débat parce que c'est... Vous écrirez un autre livre sur le sujet, sur les glaces. Sur les glacières, notamment à Versailles, où il y en avait beaucoup. Très bien. Et donc, on va dévier de l'histoire insolite des cafés parisiens sur un autre livre que vous avez sorti récemment dans une autre maison d'édition, qui parle encore d'un café. Voilà, mais c'est un livre de copains, vous me disiez. Oui, c'est un, si vous voulez. Donc, le livre s'intitule Chez Balzac. Chez Balzac. Dans cet ouvrage-là, je prends toute l'histoire des cafés, on va dire, donc, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Mm-hmm. Et puis, il s'est avéré qu'en 1981, j'ai eu la chance de rencontrer un personnage étonnant, Yannick Balzac, qui était un ancien grand champion de boxe, puisqu'il avait rencontré Marcel Cerdan et mis à terre 8 secondes Ray Sugar Robinson aux États-Unis. C'est quand même légendaire. Et cet homme, donc, a ouvert à partir de 1954, en face les abattoirs de Vaugirard, un café qui avant était un petit restaurant en Corse, etc. Donc, il ouvre ce café, et ce café va être fréquenté par l'illustre voisin qui va devenir illustre, parce qu'en 54, il débutait, c'est Georges Brassens, qui habitait impasse Florimont et qui ensuite ira acheter une petite maison derrière rue Santos-Dumont. Donc, ils avaient une passion commune, les chats. Il faut dire que c'est un endroit où il y avait des poules qui se promenaient avec des chats, c'était vraiment la maison ouverte à tous et aux animaux. Et cet endroit va devenir extrêmement célèbre parce que tous les amis de Yannick, les amis sportifs, qui commençaient à faire du cinéma, comme par exemple Lino Ventura, qui va tourner d'ailleurs dans ce café un de ses premiers films, Un témoin dans la ville, en 1958. Et Jean-Paul Belmondo aussi, qui a eu la gentillesse de préfacer mon livre, vont se retrouver parce que Jean-Paul Belmondo fréquentait l'Avia Club, qui était aussi un centre où on allait s'entraîner pour la boxe. Donc c'est là où, à Issy-les-Moulineaux et à Paris, se sont croisés Yannick à plusieurs reprises. Et donc c'est devenu un fidèle de la maison, Jean-Paul Belmondo, avec D'Alban, avec Bourville, avec tous ces gens. Michel Audiard, bien sûr, qui est tout. Aussi. Michel Audiard, il a écrit ses films dans les cafés, il écoutait les gens. Oui.
Et ça suffit, vous prenez des notes, pour vous en raconter, parce que c'est okay. assez long. Parce que, bon, en plus, mon livre, je ne l'ai pas fait tourner autour des anecdotes. Vous savez, des brèves de comptoir, bon, j'en cite quelques-unes quand il s'agit de grandes personnalités, mais sinon, je l'ai fait tourner plutôt autour de l'histoire, notamment du 15e arrondissement. C'est ce qui est admirable dans vos deux ouvrages, c'est que c'est à la fois littéraire, historique, sociologique, c'est une manière complètement différente d'aborder l'histoire de France par Paris. Oui. Et en rencontrant un peu plus personnellement les artistes, les auteurs, les sportifs. Je raconte une toute petite anecdote, quelques secondes. Pourquoi, par exemple, Vaugirard, le mot Vaugirard? Bon, ça, je raconte au début, parce qu'on est au XIIIe siècle, en 1258, le prieur de Saint-Germain-des-Prés, Girard de Moret, décide de faire construire à 200-300 mètres de chez Balzac, un endroit, une petite demeure pour que les religieux de l'époque donc puissent s'y reposer ou prendre une retraite méritée. Eh bien, on ne sait pas trop comment appeler ce lieu, alors on va l'appeler le Val Girard, pour Girard de Moret, qui par altération va devenir Vaugirard. Alors, il y a un ensemble comme ça d'anecdotes que je reprends, parce que je me suis mis à la place d'une personne qui ne connaît pas le 15e, qui connaît peu Paris, et qui arrive devant chez Balzac, où il faut même cogner, parce qu'il n'y a pas de poignée, c'est le seul café-restaurant de Paris où vous n'avez pas de poignée pour entrer, vous voyez, donc, alors un rideau s'ouvre, et puis il y a toujours un sourire derrière, de toute manière, et on vous ouvre, mais c'est devenu un symbole, c'est un peu anecdotique, mais c'est très drôle. Voilà, et dans ce lieu, fréquenté donc par énormément de personnalités. Il est encore fréquenté par beaucoup de personnalités. Oui, vous avez des chanteurs Renaud vient de temps en temps, quand il peut venir. Voilà. Et puis, combien d'autres encore? On peut vous y croiser peut-être? J'y vais, oui, surtout, là, depuis que j'ai sorti ce livre, on me demande souvent de venir pour des séances de dédicaces. C'est toujours très sympathique. Et puis, on a aussi notre ami Montmartrois Michou, qui est souvent là aussi, qui vient. Donc, Michou de Montmartre, qui vient. Il y a tous les styles, dites-moi. Oui, mais ce sont des personnalités qui ont marqué. Enfin, je parle de lui, c'est quand même le dernier grand cabaretier, si vous voulez, de Montmartre. Bon. C'est quand même une figure parisienne incontournable. Absolument, voilà, voilà. Donc, pour un café parisien incontournable, c'est tout à fait cohérent. Voilà. Quel autre livre avez-vous sorti dont vous pourriez nous parler? Chez Via Romana, par exemple. Chez Via Romana, donc, j'ai eu le plaisir de faire notamment deux livres de contes, parce qu'avec mon épouse, nous sommes passionnés par la Russie. On a fait plusieurs voyages là-bas ensemble. Et lorsque Benoît Mancheron m'a demandé donc, de faire un livre sur les contes de Noël russes, ben, ça a été un véritable engouement en ce qui me concerne, parce que j'adore beaucoup cet immense pays. Et on a donc réalisé ces contes de Noël de la Sainte-Russie. Et je viens de faire les Pâques de la Sainte-Russie aussi, donc un autre livre sur la Russie et sur les contes. Et puis là, je suis en train de préparer, d'ailleurs, pour Benoît, les contes du Mont-Saint-Michel. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de retrouver toute l'histoire du Mont-Saint-Michel à travers des contes qui remontent au tout début du 8e siècle, avec Saint-Aubert, etc. Donc, alors on peut se baser aussi sur des analystes et des chroniqueurs du temps, dont Jean Huyne, notamment, qui, à travers un ensemble de récits, ouvre, la boîte de Pandore, parce qu'à l'intérieur, il y a énormément de petites histoires qui deviennent des contes et des légendes. Il y a une dernière chose que nous n'avons pas dit sur l'histoire insolite des cafés parisiens, c'est qu'il est traduit. Oui, il a été... Alors d'abord, j'ai eu le bonheur d'avoir, ça m'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs, le prix de l'Académie Rabelais avec cet ouvrage-là. Ah, tout de même. Voilà, et puis ensuite... Vous nous dites ça comme si... ça m'est tombé dessus comme ça, parce que les membres de l'Académie Rabelais ont eu le plaisir de s'y intéresser et de m'accorder donc leur prix. Et puis ensuite, de temps en temps, j'ai l'attaché de presse de Perrin qui m'a fait tailler. Votre livre, vous savez, il va être traduit en chinois. Ah ben, je lui dis, c'est très sympathique, je vous remercie. Puis la semaine dernière... Vous le lirez en chinois? Non, non. Je demande d'ailleurs comment on peut traduire ce livre en chinois. C'est une bonne question. Il y a un vocabulaire typiquement parisien qui va être très ardu à travailler pour eux. Et la semaine dernière, l'attaché de presse m'appelle, monsieur Le Tailleur, votre livre va être traduit en japonais. Ben, j'ai dit, écoutez, c'est sympathique. Donc, il est parti peut-être pour faire le tour du monde. Je le souhaite de tout cœur. Eh ben, on vous le souhaite, nous aussi, de tout cœur. Vous êtes très aimable, merci. Ben, on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de Perles de Culture. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle rubrique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoniale,
Nous avons invité Françoise Monestier, notre habituée du plateau, parce que Françoise a cette chronique sur le patrimoine dans le quotidien présent, et Françoise est toujours au courant de tout ce qui se passe en rapport avec le patrimoine. Alors aujourd'hui, c'est notre patrimoine couture et haute couture, ouais, oui, couture, et haute couture qui est menacé. Pourquoi, Françoise ? Eh bien, depuis quelques années, il ne vous échappera pas, je pense qu'il n'a échappé à personne, que le nombre de femmes de religion musulmane habitant notre pays sont habillées à la mode musulmane. Oui. Alors, ne nous épargne rien. Qu'il s'agisse des voiles, des abayas, des tchadors, des foulards, des... Et des vêtements de sport. Et des vêtements de sport. Et bien évidemment, je ne saurais oublier le burkini qui... Bien, alors revenons à cette mode musulmane. Cette mode musulmane a choisi, enfin les fabricants de cette mode, et surtout les religieux musulmans, ont choisi d'appeler cette mode modeste, de lui donner le qualificatif de modeste. En réalité, il s'agit d'un emprunt à la langue anglaise. Ils traduisent l'anglais modest fashion par mode modeste. En réalité, ils se trompent, puisque modeste en anglais signifie pudique et ne signifie pas du tout modeste. Donc, ils jouent sur les mots. Et encore une fois, on les prend un petit peu la main dans le sac, oui. À savoir qu'ils manipulent le langage. Oui, ils avaient manipulé le langage il y a maintenant 2 ans, au moment de la vague migratoire qui a submergé l'Europe. Et la station, enfin, sur Al Jazeera, on entendait qu'il ne fallait plus appeler les clandestins qui déferlaient sur le continent par voie maritime ou par voie terrestre, il ne fallait plus appeler des migrants mais des réfugiés. Et effectivement, pour eux, eh ben, bingo, en imposant le terme de réfugiés, on était obligé de protéger ces gens-là, puisqu'ils étaient réfugiés, non de simples migrants, ou les clandestins qu'ils sont d'abord et avant tout. Et avec la modeste fashion, avec cette volonté d'imposer le terme de mode modeste, là aussi, il gagne sur le langage. Sur le langage. Il manipule le langage. Le problème, c'est que si vous n'appliquez pas leur... directives. Si ces femmes musulmanes n'appliquent pas ces directives, elles sont traitées immédiatement de débauchées. Oui, et alors, à ce sujet-là, je citerai le livre que Pascal Bruckner a publié il y a maintenant plus de 6 mois. Pascal Bruckner écrit quelque chose de très intéressant. « Modeste et pudique sont des qualités négatives qui s'opposent à immodeste et impudique. Quiconque n'embrasse pas cette mode passe donc pour indécent et orgueilleux. » Conclusion, toute femme qui n'est pas voilée ou ne se baigne pas en burkini est soupçonnée d'être une débauchée. Oui, c'est donc un racisme imaginaire, la querelle de l'islamophobie, publiée en 2017 chez Grasset par Pascal Bruckner. Tout le monde s'est emparé de cet adjectif de modeste. En réalité, il s'agit ni plus ni moins d'une mode pudique qui cache beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, pour jouer les provocatrices, les pays européens sont allés un petit peu loin dans l'immodeste et dans l'impudique. Mais bien sûr. On arrive à un niveau. Je donnerai deux exemples. Bon, le short et les jupes ras la salle de jeu, comme on dit dans les romans policiers. J'adore cette expression. et les décolletés des speakerines de la télévision qui, à 8 heures du soir, vous montrent le Saint-Esprit, la naissance des saints.
on se dit, mais il n'y a quand même pas utilité à 8 heures du soir de tout dégager. Un décolleté, c'est très joli. Oui, oui. Mais je parlerai aussi du nombril. Et le nombril des adolescentes. Le nombril des adolescentes. Et, bon, et puis aussi, je parlerai aussi. Alors, on peut comprendre la réaction d'ailleurs des musulmanes, mais. Réaction aussi des catholiques ou alors d'abord, avant de traiter de la réaction, comment se fait-il, comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là, sans aller jusque au pantalon troué, le jean troué, qui me paraît l'indignité totale, parce que jouer les pauvres quand on est riche, oui, et faire fabriquer ces jeans par des pauvres gens en Inde ou au fin fond de la Turquie et leur faire abîmer volontairement ces jeans pour les vendre 200-300 euros et les passer dans divers bains d'eau de Javel c'est d'une indignité horrible. Totale. Mais comment expliquez-vous cette décomposition du vêtement en Europe? Est-ce que c'est pas le signe, de toutes les façons, d'une décomposition intellectuelle et spirituelle? C'est le signe d'une décomposition, d'une décadence, et je crois que c'est surtout c'est le signe d'une volonté manifeste de certains. Je pense notamment aux publicités indécentes de Saint-Laurent, paru dans la presse, exhibant des femmes qui jouent à l'homosexualité et qui aussi dévoilent des qui sont en position lascive. Jambes écartées. Bon, oui. on peut comprendre ces réactions. Et puis n'oublions pas aussi que le marché de la mode pour les musulmans représente des milliards de femmes et représentait en 2015 la modeste somme de 44 milliards de dollars. D'où l'agenouillement des distributeurs pour capter des distributeurs et des fabricants et de couturiers tels que l'italien Etro ou le japonais Uniqlo qui ont créé des collections. Uniqlo a engagé une styliste dont le nom ne souffre enfin dont le nom est un nom en consonance arabe, et cette jeune femme a créé une collection pour les femmes musulmanes. Et donc, il y a aussi, en 2015, à Istanbul, pour la première fois, a eu lieu une Islamic Fashion Week, suivie d'une seconde Islamic Fashion Week à Londres, en 2016. Okay. J'ai cru comprendre aussi que ces gens-là souhaiteraient qu'une Fashion Week islamique ait lieu en France l'année prochaine, ce qui, à mon avis, est déjà sur les rails. Bien sûr. Est déjà sur les rails. Mais cette mode n'est pas, enfin, cette mode pudique ou cette mode décente n'est pas l'apanage des musulmanes. Pouvons dire que nous sommes habillés de façon décente. Oui. Donc il y a quelqu'un qui a aussi très bien vu la chose. C'est une personne qui est créatrice de mode dans le sentier, qui s'appelle Valérie Benita, qui est de religion juive et qui elle aussi a créé donc une ligne qu'elle appelle modeste. Elle aussi, elle joue sur les mots et elle crée des modèles qui sont, ma foi, de bon goût et qui permettent à une femme de pouvoir être décente d'une part et surtout de ne pas être poursuivie par ceux-là même qui veulent bien voir leur femme emmaillotée mais sont très contents de voir un petit morceau de chair dépasser d'une robe ou d'une jambe. Voilà. Parce qu'il y a les mêmes interdits dans la religion juive. Et il y a les mêmes interdits dans la religion juive. Pour les vêtements des femmes, elles doivent sortir la tête couverte, les manches couvertes. Certaines même sont rasées et portent des perruques. Et donc, ça va très loin aussi. Mais, alors, la réponse et la réaction, c'est en effet de rétablir la juste mesure. Rétablir une juste mesure. Mais le problème, c'est qu'on en... C'est mission impossible avec les couturiers que l'on a qui vont dans tous les sens, qui vont... Enfin, c'est une souffrance maintenant de regarder une collection.
Ah oui. Alors quelque dans notre jeunesse, ouais, on regardait des collections avec bonheur, on s'en inspirait, on découpait la feuille, on demandait à une couturière de faire la même chose. Je pense que Gabrielle Chanel doit Gabrielle Chanel, si elle regarde ça, elle doit être effrayée de voir la façon dont elle a été trahie par les gens qui lui ont succédé ou qui tout au moins ont emprunté le nom de Chanel pour signer des vêtements qui n'ont plus de forme ou qui sont franchement, je dois dire, laids. C'est-à-dire que, bon, pour prendre le cas de Chanel, elle a commencé la première à déstructurer, elle a supprimé le corset, elle a libéré le corps de la femme d'une certaine façon. Elle a libéré le corps de la femme, mais c'est comme toujours, il y a un point trop loin où on ne peut pas aller puisqu'il n'y a plus rien après. Et c'est... Oui, mais là, je pense qu'elle est trahie. C'est pareil, je crois que la même chose, le même phénomène existe pour Dior. Quand on se rappelle ce que Christian Dior avait fait au début des années 50, les robes, enfin tout ce qu'il créait, avait un chic fou, avait beaucoup de grâce. D'ailleurs, il était imité, il était sa mode, ses défilés étaient suivis par tous les couturiers américains ou italiens, anglais. Maintenant, je suis désolé de dire qu'il n'y a que le chic italien, encore que, mais le chic italien existe toujours. Demeure, absolument. Le chic italien demeure. Alors pour parler, puisque nous parlons d'Italie, Je voudrais citer Pie XII, qui, en 1941, devant un parterre de jeunes filles de l'Action catholique, avait parlé de la mode. Et à mon avis, il avait dit quelque chose de très bien. « La mode n'a en elle-même rien de mauvais. Elle naît spontanément de la sociabilité humaine, suivant l'impulsion qui incline à se mettre en harmonie avec ses semblables et avec les habitudes de personnes avec lesquelles on vit. » Tout est dit. Demandons aux musulmans de se mettre en harmonie avec les personnes avec lesquelles elles vivent, c'est-à-dire nous, et non pas l'inverse. Et ça, c'est valable pour les musulmans, mais je dirais que c'est valable aussi pour les touristes européens. J'ai beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé entre 20 et 30 ans, entre 18 et 30 ans. Et j'étais frappée de la considération que j'avais des paysans, que je recevais des paysans mexicains, péruviens, au fin fond de l'Espagne, parce que j'étais habillée en robe. Parce que avec une robe, j'étais plus proche de leur manière de s'habiller qu'une Américaine qui arrive en short. Et ça, et c'est ce dont parle le pape, c'est cette adéquation. On ne peut pas être sans arrêt complètement différent de la personne avec laquelle on la voyage, personne chez laquelle chez laquelle on est, la personne que l'on visite. Ça la met dans un état, ça lui est désagréable. Et ça, je crois que c'est une des règles du vivre ensemble, comme on dit. Oui, mais malheureusement, enfin, ces règles ne sont plus appliquées, ne sont plus observées. Mais il y a une dégringolade, puisque même, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai envie d'élargir, en France, même pour les fêtes dites de famille, les jeunes arrivent dégueulasses, excusez-moi l'expression, mais dégueulasses et pas coiffées, et avec le cheveu crade de préférence. Vous allez au théâtre, vous allez à l'opéra. Chaque fois que je vais, chemise Lacoste quand ils sont friqués, en chemise pas Lacoste quand ils ont moins d'argent, mais c'en est tragique. Alors qu'on est en face d'artistes qui se donnent un mal fou, qui créent un monde onirique extraordinaire dans des théâtres en bois doré avec des rideaux rouges. Et on se retrouve avec des gens qui vont à l'opéra comme s'ils allaient faire leur marché. La même chose existe au Capitole de Toulouse ou à la Halle aux Grains, où chaque fois que je vais à un récital ou à un concert, je suis absolument effarée par la façon dont sont habillés les gens qui m'entourent. Donc on est... Et la plupart sont...
toutes les femmes, à l'exception de deux ou trois dont moi, sont en pantalon, avec toujours le même uniforme, le même jean, le même blouson, oui. Le même et les hommes sont un petit peu moins négligés que leurs compagnes. Donc, non, bah c'est tout de même le grand n'importe quoi dans l'habillement et l'apothéose, donc c'est la mode modeste. Merci beaucoup Françoise Monestier. Merci Anne. À très vite pour une autre chronique du patrimoine. Plaisir.